Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un problème qui a été très discuté pendant la campagne électorale et qui va encore être discuté pendant la campagne qui arrive. C'est la question de l'identité. Et je vais essayer de voir si le savoir scientifique, anthropologique, psychologique, a quelque chose à dire sur la notion d'identité. Je vais commencer par une petite anecdote. Il existe un récit qu'on trouve rapporté et de manière indépendante par plusieurs explorateurs, des voyageurs, tout à travers la planète, qui marque combien le nom d'un peuple est souvent la conséquence d'un malentendu. Ainsi, on raconte, par exemple, que les premiers Blancs qui ont rencontré des Soninkés, et c'était le long du fleuve Sénégal, dans une région frontalière des trois pays qui sont devenus le Sénégal, le Mali et la Mauritanie, ces Blancs auraient posé la question suivante aux Soninkés: qui êtes-vous? Cette question, ils l'ont posée en français. Et les Soninkés, qui ne comprenaient pas le français, étonnés que les hommes blancs s'adressent à eux, se seraient regardés en disant: ah, des hommes rouges! Car ceux qu'on nomme les Blancs sont le plus souvent rouges, en fait, surtout au soleil. Homme rouge se dit en Soninké Sara Kholé. Et c'est le mot qu'auraient prononcé les Soninkés, Sara Kholé. Et les Blancs auraient pris cette parole, Sara Kholé, pour la réponse à leur question. Depuis, les Soninkés sont souvent appelés Sara Kholé, alors que pour eux, ce nom, c'était la définition de ceux qui posaient la question. Vous voyez comme quoi le nom d'un peuple est souvent compliqué. La difficulté à répondre à la question « qui es-tu », l'autodéfinition de son identité, tient au fait que la définition est valable seulement pour le questionneur, bien moins pour le questionné, car d'identité, j'en ai manifestement plusieurs, en fonction des catégories à partir desquelles on me questionne. Je suis par exemple citoyen d'un pays, la plupart du temps, je suis aussi membre d'un groupe ethnique, souvent, quoi, de ce qu'on appelait naguère une nation, Soninké par exemple, Peul, Mandingue, Jola, Sérère, Jolof, il y en aurait ainsi une cinquantaine rien qu'au Sénégal. Je sais aussi posséder une identité biologique dont on m'a dit qu'elle ne ressemblait à aucune autre et se tenait comme une signature dans la double hélice de mon ADN. Mais je sais aussi que ma famille m'a légué quelque chose en propre. Selon les témoignages concordants de plusieurs de mes aînés, je ressemble à mon arrière-grand-père, que je n'ai pas connu, bien sûr. Je lui ressemble non pas seulement dans mon apparence physique, mais aussi dans mes choix de vie, comme si mon destin venait répéter le sien. Aurions-nous, lui et moi, une identité commune que je ne vois pas? Et lui, ressemblait-il à quelque ancêtre dont le nom a disparu des mémoires? Peut-être. Peut-être sommes-nous plusieurs de la même famille, d'ailleurs, à partager cette même identité. Il semble de plus que, à croire mes amis, certains traits de caractère me constituent en propre. Ils pourraient les décrire et parfois, lorsque je me comporte d'une certaine façon, ils me renvoient des phrases ironiques telles que « Ah, on te reconnaît bien là ». J'aurais donc également une identité psychologique qui me fait ressembler à moi-même, marquant mes comportements d'une sorte de signature, là aussi. Mais toutes ces définitions, identité biologique, identité nationale, ethnique, familiale, psychologique, sont des notions théoriques. Elles ne sont inscrites nulle part. Et je ne m'y réfère que poussé par une question, généralement toujours la même: qui es-tu? Alors je vais voir comment est-ce qu'on peut répondre à cette question: qui es-tu? Lorsque je demande à mon ami béninois, Yoruba, d'une famille originaire de Porto Novo, au Bénin, qui es-tu? Il ne me répond pas je suis un tel ou je suis un Yoruba, comme j'aurais pu m'y attendre, puisqu'il est Yoruba, mais il répond je suis un crocodile. J'ai déjà eu une telle conversation avec lui, ce n'était pas du tout une plaisanterie. Il m'a affirmé que l'ancêtre de sa famille est un crocodile, et devant mon incrédulité, il a illustré cette déclaration par un exemple, disons, empirique. Étant l'un des leurs, il ne doit sous aucun prétexte manger de la chair du crocodile. Et si trompé par une main perverse qui le lui servirait par exemple en ragoût, il lui arrivait malheureusement de le faire sans le savoir qu'il le fait, il en mourrait, ou plus probablement, il en deviendrait fou
définitivement fou. Alors s'il fallait définir son identité de manière pragmatique, elle apparaîtrait ici en négatif. Chez les Yoruba, il fait partie de ceux qui ne mangent pas, qui ne doivent pas, qui ne peuvent pas manger le crocodile. Et la démonstration de cette appartenance pourrait être cette crise de folie au décours de laquelle le sage, celui qu'on appelle là-bas le Baba Lao, le maître du secret, aura énoncé quelque chose comme « Un tel est devenu fou parce qu'il a mangé son ancêtre ». Indubitablement, les interdits alimentaires constituent les limites sociales de l'identité. Et à parcourir le monde, on remarquera que nombreuses sont ces délimitations alimentaires. Et maintenant, si je m'adressais cette même question que j'ai posée à mon ami, en quoi suis-je moi, ce que je suis et rien d'autre que ce que je suis, je pourrais encore moins y répondre. Car pour les Juifs, dont je suis, seul Dieu possède une identité. Lui seul n'est que ce qu'il est. C'est sans doute l'explication de la réponse que notre Dieu a fait à Moïse, son prophète, qui lui demandait son nom. Il répondit très précisément par ces mots, « Je suis celui qui est ». Vayomer Elohim el Moshe, Eye Asher Eye. Et Dieu dit à Moïse, je suis celui qui est. Et il ajoute, Dieu, il ajoute, Vayomer Kotomar Livne Israël, Eye Shelachni Elechem. Et c'est ce que tu répondras aux enfants d'Israël, je suis, entre guillemets, je suis, c'est son nom, m'a envoyé vers vous. Que peut bien signifier cette phrase, sinon que les autres êtres qu'il peut m'arriver de rencontrer, les humains par exemple, ou les animaux, ou les autres dieux aussi, sont tous des manières d'hybrides, constituées d'éléments multiples, des agglomérats autrement dit. Il y a de grandes chances qu'il avait en tête les dieux égyptiens, ses voisins proches, hybrides d'hommes et d'animaux. Dieu à tête de chacal, Dieu à tête de faucon, Dieu à tête de chat. Et pour insister encore sur sa spécificité irréductible, Dieu révélera à Moïse son nom. Je parle du nom que nous avons conservé jusqu'aujourd'hui, le tétragramme YHWH, YHWH, dont la signification en hébreu est une déclinaison du verbe être. On pourrait la traduire par « celui qui est », ou celui qui a été, ou celui qui sera. Dans le Coran, cette réponse célèbre de Dieu est rendue par un attribut voisin. Dieu y est présenté comme celui qui n'a pas été créé, qui est, qui a été, qui sera, donc qui n'a jamais été créé. Encore plus étrange, le syntagme, celui qui est à la fois son nom et son principal attribut. Alors, si Dieu est le seul à n'être que ce qu'il est, comment pourrais-je, moi, essayer de répondre à la question de ma propre identité ? Résultant de cette autodéfinition du Dieu de mes ancêtres, je suis obligé de convenir qu'en tant que juif, je ne peux définir mon identité que de manière négative. Je la formulerai ainsi : je fais partie de ceux qui ne sauraient discuter de leur propre identité, cette question étant frappée d'interdit. C'est sans doute la raison pour laquelle les vivants n'ont pas de véritable consistance chez les Juifs. Seuls les morts en ont, puisque la maison où on les abrite, le cimetière, est appelée Beit el Haïm, la maison des vivants. Gardons par conséquent à l'esprit que l'identité n'est pas inscrite dans les papiers, fussent-ils papiers d'identité, ne tient pas à ce qu'on pense de soi-même, mais se révèle et toujours au décours d'entreprises complexes, de réflexions, de procédures. L'expérience m'a montré que l'identité s'exprime le plus souvent sous forme négative. Nous sommes ceux qui ne pratiquent pas la circoncision, par exemple. Pas nous, hein, nous la pratiquons. Nous sommes ceux qui n'honorent pas le feu. Nous sommes ceux qui ne mangent pas le chien. Et on ne définit pas ce qu'on est, ce qu'on fait, mais plutôt ce qu'on n'est pas, ce qu'on ne fait pas. Mon ami Yoruba se définit par ce qu'il ne peut pas manger. Je me définis comme celui qui n'a pas l'autorisation de revendiquer une identité, cette prérogative étant réservée à mon Dieu. Je pense que jusque-là, vous avez compris
que l'identité ne se révèle qu'à l'issue d'une procédure, d'un événement, d'une difficulté, et la plupart du temps, elle se révèle de manière négative. Et le lieu où se trouve mon identité, on le sait depuis des temps immémoriaux, c'est le nom de la personne. Alors je vais m'arrêter un petit peu sur la façon de nommer la personne. Comment tu t'appelles ? Comment tu t'appelles ? C'est la deuxième question sur l'identité. La vulgate psychanalytique, d'abord, une psychologie pour magazine féminin, ensuite, qui l'a reliée, nous ont laissé penser qu'il est naturel de nommer un enfant selon la fantaisie de ses parents. Didier Anzieux, qui était un de mes maîtres, dans son ouvrage très documenté, relate par exemple que Freud a nommé chacun de ses enfants en hommage à ses maîtres. Freud a par exemple appelé son fils aîné Martin pour honorer Charcot, qui se prénommait Jean-Martin, un autre Ernst, qui était le prénom de Brücke, son maître en psychophysiologie, sa fille aînée il l'a appelée Mathilde, comme l'épouse de Joseph Breuer, qui était son mentor, et ainsi de suite. Et les psychanalystes se sont engouffrés à sa suite et sont même allés jusqu'à bâtir une théorie de la façon dont les fantasmes des parents dessineraient une sorte de destinée à leur enfant, notamment au travers du choix de son prénom. De fantasme en fantaisie, les pratiques de nomination ont de plus en plus évolué. De nos jours, en France, on peut donner le prénom d'un personnage de série télévisée, ou tel autre prénom qu'on trouve simplement joli, ou qui s'harmonise avec le nom de famille, ou même encore inventer un prénom qui n'a jamais existé, en assemblant par exemple un fragment de celui du père et un autre de celui de la mère, comme le font les Brésiliens très souvent, par exemple. Il est clair que ces façons d'attribuer un nom n'ont rien à faire avec cette identité que nous évoquions plus haut, qui se révèle par une procédure. Elles ne sont que des manières d'identifier, de fournir des éléments de classification statistique. Lorsque nous agissons ainsi, pour nommer un enfant, nous ne faisons que renseigner un registre d'état civil ou un formulaire d'identification sur Internet. En ce cas, il n'existe pas de problème majeur à lui attribuer un nom arbitraire, un nom arbitrairement choisi. Il existe pourtant ailleurs, il existait autrefois, des manières bien différentes de nommer un enfant. Les traditions africaines semblent procéder selon un principe général, même si son application est différente selon les lieux, les ethnies et les temps. Là, on ne nomme pas un enfant, alors là, il faut bien retenir, on ne nomme pas un enfant, on découvre son nom. Je veux dire par là que ce ne sont pas les parents qui attribuent ou fabriquent le nom de l'enfant, il l'a déjà. Charge à eux de le découvrir. Il existe donc dans ces cultures des personnes chargées de faire sortir le nom de l'enfant. Ce sont en général des anciens, des grands-parents, ou des devins, donc, ou des responsables religieux, qui savent bien qu'il a déjà un nom, qui de toute évidence l'identifie, car s'il s'agissait seulement de l'enfant, on pourrait penser qu'il est une sorte de table rase qu'on entreprendra de garnir une pâte qu'on va modeler. Mais ces traditions ont pris le parti de traiter non pas avec cette pâte, mais avec l'être qui précède son existence et dont une manifestation est cet enfant de quelques jours qui sourit au bras de sa mère. Ils savent que cet être a sans doute eu d'autres existences par le passé et qu'il en aura d'autres dans l'avenir. Pour trouver son nom, elles organisent toujours des procédures, des questionnements. Et qu'est-ce qu'elles interrogent ? Elles interrogent les éléments et les événements, c'est-à-dire les mouvements de l'être dont on déduit ses parties constitutives. Et cela à partir de trois questions. Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Et pourquoi viens-tu ? Au fond, ces procédures se comportent de la même manière qu'avec un étranger. Il est du reste certaines traditions africaines où le mot désignant l'enfant est le même que celui qui désigne l'étranger, comme chez les Baoulés, par exemple, de Côte d'Ivoire, et plus généralement dans les langues du groupe Akan. L'enfant ne peut évidemment pas répondre à ces trois questions. Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Etc. Non pas parce qu'il ne parle pas, il n'est pas muet,
mais parce qu'ils parlent une autre langue, celle de l'ailleurs. Quelquefois on dit qu'ils parlent la langue des esprits. Quelquefois on dit qu'ils parlent la langue des ancêtres. Mais pas encore celle de la famille, du peuple qu'il envisage de rejoindre. Alors, puisqu'il s'agit d'un être, on postule qu'il s'est déjà manifesté auprès de sa famille, dès les premiers moments de la grossesse certainement, et sans doute avant. Son nom s'est donc inscrit dans le cours de sa vie. On examine donc son environnement. On part explorer les événements. C'est ainsi qu'en Afrique centrale, au Congo par exemple, on peut s'appeler, et encore il n'y a pas si longtemps, hein, on peut s'appeler « la souffrance était amère » ou « le croque-mort n'a pas chômé ». Sans doute parce que durant sa grossesse, la maman aura dû affronter plusieurs décès de parents proches. On peut se demander à quoi peut servir d'attribuer de tels noms qui, à première vue, ne respirent pas la joie. Ils sont d'abord une explication, une adresse à l'être qui se présente, quelque chose comme « nous nous sommes interrogés et nous t'avons reconnu. Nous savons ce que ta venue est susceptible de provoquer. » Ils sont aussi une façon d'infléchir le destin. Maintenant que nous connaissons tes capacités, les désordres dont tu es porteur, nous saurons te guider afin qu'elles ne se retournent pas contre toi et contre ta famille. De tels noms ne sont donc pas une simple manière d'identifier, résultat d'une véritable investigation, ils sont à la fois un énoncé sur la nature de l'être qu'on a reconnu et une divination, je dirais donc surtout une protection. Approfondissons maintenant la fabrication et l'usage d'un de ces noms congolais à partir d'un exemple. En Kikongo, qui est une des langues du Congo, une des 250 langues du Congo, en Kikongo, donc, Mampasi signifie littéralement difficulté, peine. Mampasi est bien le nom par lequel on appellera l'enfant. Mais comme bien des noms, il n'est qu'un résumé, ou plutôt une contraction. Derrière ce mot se cache une phrase entière. Tant de difficultés, tant de peines, Mampasi, auront été vaines. Derrière le mot, il y avait une phrase. Phrase que tout le monde comprendra ainsi. Les difficultés de la grossesse, les douleurs de l'enfantement ont été vaines. Elles n'auront servi à rien, car malgré toutes les souffrances qu'a endurées la mère, cet enfant va mourir. Incroyable. On peut dès lors saisir la divination. L'enfant qui vient, celui qui vient de naître, mourra, nous le savons, et il sera mangé par les sorciers, les Ndoki. Malgré les apparences, il ne s'agit pas d'une simple information, c'est un nom. Il est destiné à être prononcé à haute voix des dizaines de fois par jour. L'énoncé ne s'adresse ni à lui, ni à ses parents, mais aux êtres invisibles, ces sorciers précisément, qui le guettent. Malgré les apparences, en appelant ainsi l'enfant, les parents ne se résignent pas au destin funeste qui lui a été prédit, ils le combattent au contraire. Car ces fameux Ndoki, ces sorciers qui envisageaient de le dévorer, en entendant son nom, se seront découverts et renonceront à mettre leur destin à exécution. Plus encore, ils s'éloigneront de lui de peur de se dénoncer par leur présence. Le nom qui aurait pu sembler négatif à une oreille étrangère se révèle au contraire membrane, enveloppe protectrice. Il semblait malédiction, il se révèle conjuration. Il fonctionne en vérité comme une enveloppe opaque, à l'apparence trompeuse, qui contient, inscrite en toutes lettres, l'identification des malfaiteurs et constitue une protection contre leur action. Voilà donc ce qu'est un nom bien construit dans les traditions du Congo. Nous retiendrons d'abord sa nature, toujours contractée, un mot qui cache une phrase qui cache une histoire. Pour comprendre un tel nom, on dit là-bas, il faut l'ouvrir, c'est-à-dire décliner les phrases qu'il contient, identifier le danger repéré à la naissance de l'enfant et dont il porte la trace, évaluer ses modalités d'action contre ce danger. Et nous constatons, une fois encore, que l'identité est conférée de manière négative. Qui est Mampasi? C'est cet être que les sorciers ne réussiront pas à dévorer, car ses parents prévoyants l'auront nommé correctement. Voici tout le développement. Un tel développement,
pourrait sembler lointain et pour le moins exotique aux auditeurs. Il devrait pourtant nous être familier, pourtant nous autres juifs, parce qu'on le retrouve presque à l'identique dans la nomination de chaque fils de Jacob, tel qu'on peut la lire dans la Genèse. Alors, pour l'aîné, par exemple, il est écrit « Léa conçut et donna naissance à un fils, et elle le prénomma Réhouven, car, dit-elle, et c'est ce qu'on lit dans le texte de la Torah, « Dieu a vu mon humiliation, maintenant, ajoute-t-elle, mon mari m'aimera. » Tel est donc le texte dans Genèse 29, 32. Le contexte auquel il se réfère est bien connu. Jacob avait épousé deux sœurs. Léa était la première épouse, mal aimée de Jacob, qui lui préférait sa sœur Rachel. On se souvient qu'il dut épouser l'aînée et travailler encore 7 ans pour son oncle Laban, le père des deux jeunes filles, avant d'obtenir la cadette comme seconde épouse. La Bible nous apprend que Jacob aimait Rachel d'amour et respectait Léa. Mais Léa, on le comprend, on la comprend, se sentait humiliée par une telle situation. Et lorsqu'on lit le texte, on constate que le nom de l'enfant Réhouven, comme les noms congolais que nous discutions plus haut, a été choisi en référence aux émotions de sa mère. Alors ouvrons ce nom, comme nous y invite le texte biblique. Il est composé de deux syntagmes. Réhou, interprété dans le texte comme s'il était écrit Ra'a, qui signifie « il a vu », et Ven, ou Ben, qui signifie « un fils ». Le texte propose une interprétation qui est en vérité complexe, composée d'une contraction et d'une ellipse. Réhouven serait la contraction d'une phrase qui, reconstituée, donnerait ceci « Dieu a vu, Ra'a, mon humiliation », et là il y a une partie manquante, « et il m'a donné un fils, Ben ». Maintenant, « mon mari m'aimera, sous-entendu, plus qu'il n'aime ma sœur, Rachel, bien sûr ». La phrase entière serait donc la suivante, « Dieu a vu mon humiliation, il m'a donné un fils, maintenant mon mari m'aimera plus que ma sœur ». Tout cela est condensé dans le prénom Réhouven. C'est donc l'interprétation que propose le texte biblique. Ici aussi, comme dans les noms congolais que j'ai parcourus avec vous tout à l'heure, le nom est une phrase qu'il s'agit de reconstituer. Il est construit comme une amulette. Il est manifestement destiné à protéger Réhouven de la jalousie de sa tante Rachel et à le propulser en un destin d'aîné et donc de futur chef de famille élargi. Mais l'interprétation n'est tout de même pas satisfaisante car elle nous contraint à une approximation. À prendre Réhou, qui veut dire « voyez », pour Ra'a, il a vu, ce qui n'a évidemment pas échappé aux commentateurs. Rashi, le premier, le célèbre exégète de Troyes, en propose une lecture différente. S'appuyant sur un midrash talmudique de Rabbi El-Hazar, il propose de lire le prénom Réhouven comme Réhou-Léven, se référant à la phrase suivante, en hébreu, Réhou ma bein beni leven hami. Voyez, Réhou, la différence entre mon fils et le fils de mon oncle. Le fils de son oncle, il faut entendre son mari, puisque Léa et Jacob étaient cousins germains. Donc Jacob était bien le fils de son oncle. Elle renvoie au fait que Jacob, le père, s'est par le passé indûment approprié le droit d'aînesse normalement dévolu à son aîné Échav, lors du fameux épisode du plat de lentilles. La phrase prédit par conséquent que le fils qui vient de naître, Réhouven, sera reconnu comme aîné sans aucune contestation, à la différence de son père Jacob, qui dut son statut d'aîné à la ruse et à la bénédiction paternelle aux tromperies conseillées par sa mère. Jacob, on s'en souvient, s'était fait passer pour son frère auprès de son vieux père aveugle pour obtenir cette bénédiction qui était normalement destinée à l'aîné. Et cela, sur les recommandations de sa mère Rivka. Si elle ajoute une salve de critique acerbe contre Jacob, cette phrase ne retient pas la part conjuratoire du nom, la protection contre la jalousie. Elle met tout l'accent sur la divination de destin grandiose pour Réhouven, qui sera un chef sans tricherie et sans tromperie.
De ce fait, bien que plus habile, l'interprétation proposée par Rashi me paraît un peu moins probante que celle de la Bible. Une troisième interprétation, plus simple, se trouve dans le Zohar, ce premier texte de mystique juive dont a découlé tout le courant de la Kabbale. Cette fois, la phrase reprend exactement le nom de l'enfant. Elle commence ainsi. « Voyez un fils, Réou Ben. » Elle n'a besoin d'aucun subterfuge. L'explication vient ensuite, puisque la seconde partie de la phrase constituant le nom est cette fois « Et il est parfaitement constitué. » Il ne présente aucune tare. Et puis il y a un sous-texte. « C'est bien la preuve qu'en s'unissant à moi, mon mari n'a pensé à aucune autre femme et donc pas à ma sœur. » Là encore, une phrase entière condensée dans le nom qui dresse au fils un véritable cahier des charges, puisque son excellence constituera la preuve de l'amour réel de Jacob pour Léa, et cela malgré les apparences. Il existe bien sûr d'autres interprétations du nom Réhouven, et si l'on veut être cohérent avec les principes de l'exégèse, elles doivent toutes être considérées comme correctes. Voici donc les trois phrases reconstituées après ouverture du nom de Réhouven que j'ai faite avec vous. Dieu a vu mon humiliation, il m'a donné un fils, maintenant mon mari m'aimera plus qu'il n'aime ma sœur. C'est la première interprétation, celle du texte biblique. Voyez, Réou, la différence entre mon fils et celui de mon oncle. Lui sera reconnu comme aîné sans aucune contestation, à la différence de son père Jacob, qui dut son statut à la ruse de sa mère. Et puis la troisième interprétation, celle du Zohar, voyez un fils, et il est parfaitement constitué, il ne présente aucune tare, c'est bien la preuve qu'en s'unissant à moi, mon mari n'a pensé à aucune autre femme, et certainement pas à ma sœur. Un autre exemple, toujours pris dans Genèse 30, mais dans les chapitres 22-24, il s'agit cette fois de la naissance de Joseph, en hébreu, Yosef. La matrice de Rachel, dit le texte, restait fermée. Malgré tous ses efforts, elle ne tombait pas enceinte. Elle enviait sa sœur qui avait déjà donné plusieurs fils à Jacob. Elle décida par conséquent d'offrir sa propre servante, Bilha, à son époux Jacob. Jacob vint vers la servante, comme dit le texte, et elle enfanta d'un fils qu'elle nomma Dan. Mais sa sœur en fit autant, offrant à son tour sa propre servante Zilpa à l'époux commun. Et ce fut un véritable duel entre les deux sœurs, mais le ventre de Rachel restait stérile. Et puis dit le texte, Dieu se souvint de Rachel. Il ouvrit sa matrice, elle conçut et elle enfanta un fils. Quel nom lui donnera-t-elle alors? Et elle dit, Asaf Elohim et Harpati. Et il a retiré Dieu ma honte. Et Dieu a retiré ma honte, quoi. Vetikra et Shmo Yosef. Les morts, Yosef Adonai li ben Aher. Elle appela son nom Joseph en disant, que Dieu m'ajoute un autre fils. Yosef, ça veut dire qu'il m'ajoute. Le nom n'est pas seulement Yosef, mais les deux phrases assemblées qui jouent sur le double sens du mot Asaf, retiré, Yosef rajouté. Dieu lui a retiré sa honte, du coup, elle lui dit, ne t'arrête pas là, rajoute-moi, Yosef, un autre fils. Là aussi, comme on peut l'imaginer, les commentaires sont innombrables. Mais ce qui est certain, c'est que par son nom, sa mère charge le petit Yosef d'ouvrir le chemin à un petit frère, puisqu'il dit, elle dit, rajoute-moi un fils, qui sera, elle le sait, le 12e et le dernier fils de Jacob, j'ai nommé Benjamin. Le destin de Yosef sera marqué par cette dualité, retiré, ajouté. On l'enlèvera dans l'épisode de la citerne, on le rajoutera au centuple lorsque ses frères le retrouveront vizir du Pharaon. Ainsi, lui, que l'on voulait supprimer des enfants de Jacob, se verra attribuer une double part, non pas une tribu, mais deux, au nom de ses deux fils, Manassé et Ephraïm. Le Zohar l'a bien compris, qui dira de Yosef qu'il est comme le Moussaf, la prière qu'on ajoute à la prière. Il nous faut retenir ici que dans ces systèmes de nomination, si on présuppose une identité,
elle ne pourrait être que découverte, et toujours à l'issue d'une procédure. Et on vient de voir combien ces procédures peuvent se révéler complexes. De plus, cette identité n'est pas statique, elle est active. Ce n'est pas une donnée brute, un assemblage de coordonnées d'identification. Elle fabrique l'histoire de la personne, elle y contribue, au moins, en dessinant son destin, tout autant qu'elle tente de le protéger contre les dangers qu'on avait présupposés chez lui. De plus, elle est secrète, elle ne se laisse pas déduire de manière immédiate. Trois interprétations, on l'a vu, n'épuisent pas la signification du nom Réhouven. Il en existe peut-être une dizaine. Laquelle présidait au choix du nom dans l'esprit de sa mère? Toutes celles que l'on peut imaginer, puisqu'un nom se réalise précisément par sa capacité à produire des interprétations. Supposons que Réhouven, une fois devenu adulte, rencontre un problème, psy par exemple. Supposons encore qu'il parte consulter quelques sages pour ce problème. La première opération à laquelle se livrera l'éventuel thérapeute sera précisément l'ouverture de son nom. Comment tu t'appelles? C'est de là qu'il remontera jusqu'à la spécificité de l'être, puis aux questions qui embarrassent Réhouven. C'est de là qu'il tirera les éléments qui permettront d'intervenir sur son destin. Ainsi pouvons-nous ajouter une troisième caractéristique à ces noms fabriqués. On les a vus divinatoires et conjuratoires. Nous devons maintenant les considérer aussi comme des sortes de dispositifs thérapeutiques dormants, des préventions, autrement dit. Nous disposons maintenant du triptyque de nomination, divinatoire, conjuratoire et préventif. Tel doit être un nom bien constitué. Déposé dans l'individu à sa naissance, ce nom pourra être utilisé par un professionnel bien plus tard si le besoin s'en fait sentir. Nous nous demandions si ces noms contenaient, d'une manière ou d'une autre, une indication sur l'identité de la personne. Peut-être. Mais il nous faudrait alors modifier cette notion d'identité. Non pas ce qu'il est, mais ce qu'il porte en germe, ce qu'il pourrait devenir. Ces noms bien construits caractérisent la personne en devenir, ou plus exactement, le devenir de son être. On comprendra que de tels noms ne peuvent en aucune manière être un élément de son identification, comme dans une carte d'identité. On pourrait approcher un peu plus leur nature en affirmant cette proposition dont on dit qu'elle avait cours chez les Romains, cette proposition qui aurait pu sembler outrée, mais qui se justifie pleinement une fois qu'on a fait tout ce développement. Le nom, c'est la personne. Alors, s'il nous fallait dire ce qu'est l'identité d'une personne, notamment lorsqu'il s'agit de rencontrer des autres qu'on ne connaît pas, des migrants par exemple, pour éviter les malentendus qui naîtraient nécessairement de notre interrogation sur leur identité, il nous faudra leur demander, comme le feraient des anciens à l'arrivée d'un enfant dans une société traditionnelle, qui sont-ils, d'où viennent-ils et pourquoi viennent-ils? Et la réponse, on le pressent, sera loin d'être évidente. Merci de votre attention.